Bien, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous m'entendez, n'hésitez pas à me dire si le bruit du micro est mal réglé par rapport au son de la musique que vous entendez. Pour la musique, je vous rappelle que c'est une musique libre de droit, accessible depuis YouTube. Je vais vous mettre le lien en commentaire de la playlist et je la rajouterai en description pour la rediffusion. Alors, pour le lien, donc c'est la musique libre Best of 2019 sur la chaîne qui s'appelle La Musique Libre. Je vous poste ça, hop, directement en commentaire, comme ça si vous voulez écouter, elle est présente. Donc on part sur une heure de live qui va être un petit peu plus compliquée que les autres fois, puisqu'on va essayer en fait de proposer les différents épisodes qu'on a vus au cours de la construction d'un corps humain. Mais cette fois-ci en une seule fois, et on va pas démarrer sur un corps humain, on va directement travailler sur le corps du titan. C'est pour ça que je vous ai cherché sur internet une référence du corps en entier du titan. Je pourrais pas vous dire malheureusement qui a produit cette illustration, si elle est directement tirée du manga, ou si elle a été réalisée par quelqu'un. Donc ça, je suis navré, j'aurais pu faire une recherche d'image inversée, parce que je l'ai trouvé sur Pinterest. Je le ferai. Parce que l'artiste mérite d'être crédité, évidemment. Et je vous la proposerai en description de la rediffusion. Voilà. Donc on va zoomer brièvement sur la production de l'artiste pour regarder en fait les différents éléments qui vont peut-être se dissocier d'un corps humain. Au niveau du logiciel, on est sur Photoshop. Alors pour le moment, l'image est un peu petite, mais je l'agrandirai tout à l'heure. Donc au niveau de la tête, vous voyez que le crâne va être apparent avec une membrane osseuse. Au niveau des pommettes et du contour des yeux, on va retrouver de la chair, donc quelque chose de plus écorché. Et après tout le reste, au niveau des épaules et du torse, on a quasiment que de l'écorché. On va avoir la séparation des hommes. Notre titan, bien que masculin, est asexué, donc pas de sexe apparent. On retrouvera par contre de la membrane au niveau des poignets, qui vont faire comme des sortes de bracelets de force. On va retrouver de la membrane au niveau du tibia également, même si pour le coup là le tibia il a une rotation. Et on va retrouver du coup trois cerclages de membrane, deux autour de la cheville et un autour du pied. Voilà un petit peu pour ce à quoi va ressembler notre titan. Donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est de lui choisir une posture, parce qu'on va pas simplement le faire comme ça un peu robotique de face, on va essayer de lui mettre une posture dynamique, peut-être en situation d'action. Et on va commencer par faire les formes simplifiées, donc des formes géométriques. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser un crayon à papier relativement sec, pour pouvoir faire vos tracés sans trop appuyer. Donc éventuellement du H ou du HB, et vraiment ne pas appuyer. Vous pouvez travailler aussi éventuellement avec du 1B ou du 2B, mais guère plus, parce qu'après ça va vous laisser des traces, et on repassera au fur et à mesure. Donc moi, pour ce faire, je vais utiliser différents calques, essayer de retrouver nos proportions au fur et à mesure. Je vais quand même vous réexpliquer les dimensions de chaque partie. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'agrandis, hop, ma zone d'espace de travail. Je vais essayer de pas trop l'agrandir non plus pour qu'on ait toujours le modèle de référence quand même. Je vais peut-être le réduire un poil pour que ce soit travaillé. Donc au niveau des raccourcis pour ceux qui utilisent Photoshop, là j'utilise CTRL-T qui est en fait le raccourci de la transformation manuelle. Voilà, on va se le mettre un petit peu au-dessus. Au niveau du cadre, pour pas que ça utilise trop de ressources du PC, on va partir peut-être plutôt sur un personnage plus grand que large. Et on va essayer de pas faire plus. Par contre là je suis un petit peu embêté. Mon chat vient d'arriver et s'est dit, tiens, mais tu es en train de travailler, ben, je vais m'allonger sur le bureau. Alors, il va falloir que je passe la tablette au-dessus de lui. Excuse-moi Garfunkel. Et voilà. Au niveau de ceux qui utilisent des tablettes graphiques, on va changer l'opacité de notre crayon. Moi je préfère, c'est vous qui voyez. Vous voyez en haut, je change l'opacité et le flux. Voilà. Je crée un nouveau calque qui va être un calque de croquis. J'appuie sur CTRL-R pour supprimer, s'il le veut bien, transformation impossible. Pourquoi il me dit ça? Ah, parce que c'est R tout court peut-être. Mais non, c'est parce que je fais CTRL-T, je ratais la touche.
Donc, CTRL R pour enlever la règle, et si on veut, après on peut faire CTRL F pour enlever carrément. Et bah décidément, je me trompe dans mes raccourcis ce soir, on est mal parti. Ah non, c'est F tout court, voilà. F tout court pour avoir en fait une vue qui va être plus simple pour pouvoir naviguer. Voilà. Vous voyez, comme ça, on a rien qui nous obstrue. Alors quand on fait ça, par contre, il faut connaître un minimum les raccourcis. Donc, on va partir sur la tête. Est-ce que vous avez une idée éventuellement de la posture dans laquelle vous voulez le personnage? Je vous laisse un petit instant pour répondre dans les commentaires pendant que vous êtes en train de vous munir de vos crayons. Je le verrais bien soit en train de donner un coup de poing, soit en train de lever le pied comme s'il allait écraser quelque chose, avec peut-être l'idée de le faire soit en contre-plongée, c'est-à-dire la caméra est vue de dessous, ce qui va accentuer l'impression de gigantisme, on va avoir l'impression que le titan est très grand, soit être en plongée, donc là ça va réduire un petit peu la taille du titan, mais on va l'avoir comme si on faisait partie des personnages principaux qui étaient en train de le combattre. Alors, dans les commentaires, on nous dit, je dirais, position de combat. Alors, en train d'armer le poing, box. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en position de combat. Très bien. On va partir peut-être sur... qu'est-ce qui serait le plus simple peut-être à faire? Est-ce qu'il essaie d'attraper quelqu'un et on le fait en contre-plongée? Ça va faire beaucoup de raccourcis, ça va peut-être pas être très évident. Au pire, on va le mettre comme s'il tendait le bras pour tenter d'attraper quelque chose. S'il était en train de donner un coup de poing. Allez, on va faire ça. On va donner l'impression qu'il est en train de donner un coup de poing. Par contre, je suis un peu embêté. Ce soir, je ne sais pas pourquoi la fenêtre de chat, elle bug. Elle veut pas s'insérer à gauche. Du coup... elle m'embête pour voir les retours OBS et que je suis bien en train de streamer correctement. Voilà, on va partir là-dessus. Ok, alors dans un premier temps, on va positionner la tête. Donc, on rappelle, la tête, c'est un cercle. Là, moi, je vais faire une position légèrement en trois quarts plongée. Donc ça va simplifier sous la forme d'une ellipse. Je trace mon axe de symétrie qui du coup est à l'avant. Rappelez-vous de ce qu'on a fait quand on faisait 3 quarts. Là on va avoir notre axe qui partage le cercle en deux, qui est notre arcade sourcilière. Souvenez-vous bien. Là donc la hauteur du nez, qui sera légèrement plus basse. Et donc cette ligne là ici, on va la retrouver là pour avoir la mâchoire. Donc mâchoire, à peu près à la moitié hop, du visage, on va se retrouver quelque chose comme ça. Donc c'est assez important de commencer par la tête, surtout si vous avez du mal avec les proportions, parce que la tête, elle va définir tout le reste de votre personnage. Donc on se rappelle, hop, au niveau de la mâchoire, on va avoir l'oreille qui va partir, on peut la mettre légèrement en diagonale, elle va à peu près à la hauteur de l'arcade sourcilière, comme ceci. On va zoomer un petit peu juste pour placer grossièrement les yeux. Hein, il faut pas hésiter à utiliser la gomme. On va devoir modifier pas mal de choses au fur et à mesure. Donc on place nos yeux. On pense bien l'œil qui est sur le bord extérieur, il va être plus petit puisqu'il est plus éloigné de notre regard que l'œil qui est sur le bord intérieur ici. Le nez, donc. On peut le faire légèrement à l'avant avec les narines qui vont venir hop, comme ça par-dessus. Un nez légèrement cassé en creux comme ceci. N'hésite pas à élargir un petit peu l'ensemble, pardon. Sur le segment inférieur, donc de ici à ici, je vais revenir en arrière pour enlever les traits, mais vous l'avez compris, le segment qui va aller du nez à la mâchoire, à environ un tiers, on peut passer la bouche. Et rappelez-vous que notre titan, il va avoir une dentition très particulière qui revient presque
intégralement au bord du visage et on va la faire s'enrouler par rapport à notre axe central. Voilà, comme ceci. Ensuite, on peut marquer ses spécificités déjà. Donc, on va avoir le menton qui va légèrement sortir. Et vous voyez, ici, on a une partie blanche. Donc, partie blanche qui va accompagner la lèvre inférieure. Donc, on peut déjà, sans trop appuyer, la marquer. Donc, elle souligne le menton. Elle revient ensuite le long de la mâchoire. Et elle va remonter à hauteur de l'oreille. Au niveau de la pommette, on va avoir une partie droite comme ceci qui va légèrement sortir ici aussi et qui va aller jusqu'au bord de l'oreille. Rappelez-vous, pour faire l'oreille, on fait une sorte de S. Et ici. Ensuite, on peut faire comme un Y. Alors, c'est peut-être pas flagrant là, vu que mon opacité elle est pas extrêmement grande. Là, faut pas vous inquiéter, c'est... on repassera de toute façon par-dessus. Une fois que c'est fait, on repère les pommettes. Alors les pommettes, donc elles vont partir légèrement vers l'extérieur. Salut, salut, bienvenue. On est en train de refaire une tête de 3 quarts qui va nous servir de base pour notre titan colossal. Hop. Là, on sait que ça part en diagonale au niveau du nez. Là, on va avoir un creux ici. Comme si ça suivait en théorie les fibres musculaires. On va laisser un peu de place pour pouvoir après dessiner les dents. Et on va revenir comme ceci dessus. Voilà. Donc là, tous ces petits éléments supplémentaires, ils vont nous permettre de donner du relief un petit peu à notre personnage, puisque le cartilage, il a une certaine épaisseur. Donc il faut pas hésiter à en jouer. Oui, hop, ça va passer sous le menton. On peut même le faire revenir ici si besoin. Rappelez-vous aussi qu'au niveau de la tempe, donc ça accompagne l'arcade sourcilière. Puis après, pouf, ça part en suivant plus ou moins la courbure du crâne et ça va venir, hop, comme ça, épouser au niveau de l'oreille. Après, il a une membrane qui vient lui protéger l'arrière de la tête avec un léger creux, si vous vous souvenez de la série. Quand on le voit de dos, il a un trou derrière la tête où on a une partie musculaire visible. Souvenez-vous que la membrane, c'est pas seulement de l'os, c'est une partie cartilagineuse. Donc on va avoir des tissus qui vont être dessinés. Alors, normalement l'os on peut pas l'articuler, ici on peut donner une expression à notre personnage. Donc quand on va froncer les sourcils, on va avoir les muscles qui vont descendre vers le nez entre les deux yeux, qui vont créer des plis et qui vont donner comme ça cette impression un petit peu de colère. On peut justement baisser légèrement l'arcade sourcilière pour suggérer un petit peu comme un smiley qui serait mécontent. Le mécontentement de notre personnage. Le titan colossal, rappelez-vous, contrairement à un humain, il a des tout petits yeux. Donc on peut lui faire des petits yeux comme ceci. Alors là, vous allez me dire, oui, mais du coup, on respecte pas l'écartement des yeux avec normalement un œil imaginaire entre les deux yeux. Ben, c'est tout à fait vrai, mais si vous regardez le modèle en haut à gauche, qui reprend assez bien le manga, on a cette curiosité anatomique du titan. Il faut se rappeler que le titan n'est pas un humain. Voilà, donc là, on a grosso modo le brouillon de notre titan. On va pouvoir dessiner ses dents. Alors, là, il y a des toutes petites dents en haut, en bas. Et pareil, qui continue sur le côté, comme ceci. Alors, on a dit que notre titan était en position d'attaque. Donc, je prends juste deux petites secondes pour enregistrer le fichier au cas où il y a une perte. Colossal, on va l'appeler. Tac. Je bois un coup parce que je parle trop. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Mais comme je vous l'ai dit, on va aller assez vite parce qu'il y a pas mal de choses à faire. En fait, c'est une sorte de synthèse. Donc, est-ce que vous voulez qu'on voit son buste face avant ou plutôt comme s'il était en train de donner un coup de poing et donc une partie de l'arrière de son dos? Qu'est-ce que vous préférez en fait? Soit plus clair, en gros la question c'est est-ce que là j'ai mon titan avec sa tête, est-ce que je lui fais donner un coup de poing comme ceci par exemple, et du coup on va avoir une grande partie de son dos qui va être exposée, vous voyez là, avec peut-être son bras qui part à l'arrière parce qu'il n'est pas content et comme s'il allait remettre un autre coup.
avec une jambe à l'avant, par exemple comme ça. Ou est-ce qu'au contraire, on part sur, il met un coup de poing, mais peut-être plutôt de la droite, avec du coup les pectoraux à l'avant. Ce serait le bras gauche qui serait à l'arrière. Dans ce cas-là, on aurait plutôt quelque chose comme ça au niveau de la posture. Donc là, on aurait la partie abdominale. Donc c'est la question, c'est est-ce qu'on travaille sur le dos ou est-ce qu'on travaille sur l'avant au niveau de notre posture? Du coup, torse. Alors, go pour le coup de poing, pas de souci. Dos exposé, donc plutôt la gauche. Donc on validerait cette posture-là. Ok. Alors, je gomme la posture dont on n'a pas besoin. Je vais vous laisser la posture, ça va nous servir un petit peu de modèle. Comme ça vous permet d'appréhender un petit peu l'espace nécessaire pour votre feuille. Voilà, je le mets ici. Alors maintenant, nous, ce qui va être important, c'est de faire les formes simplifiées pour spatialiser l'ensemble. Alors, on va faire le coup il fait une demi-tête, d'accord? Donc on va faire un cylindre d'une demi-tête, comme ceci. Pour l'instant, on est sur des formes simplifiées, donc pas besoin de faire compliqué. Là, par contre, rappelez-vous, hop, le coup il est raccordé, hein, on n'a pas juste un cylindre flottant. On va avoir du coup l'arrière du dos ici qui va être visible et on va dessiner le torse. Donc le torse, rappelez-vous, au niveau des côtes, ça va faire deux têtes et demie. Une tête jusqu'au plexus. Donc le plexus, hein, vous vous rappelez, c'est là où finit le sternum. C'est là où se raccrochent les côtes. Le plexus, c'est... Je vais changer de couleur. Et je vais vous le remettre au fur et à mesure. Comme ça, vous voyez ce dont je parle. Je vais le mettre comme ceci. Voilà, le plexus, c'est la partie que je viens de faire ici en vert. Donc ça fait une tête. Mais nous, on va dessiner jusqu'au bas des côtes. Donc grosso modo, hop, jusqu'ici. Donc ça va faire une tête et demie. D'accord? Puisqu'à deux têtes, on arrive au niveau du nombril. Ma forme simplifiée, je rechange de brush. Donc on a dit que le dos allait être exposé en partie. Et on a dit que ça faisait une tête et demie. Un poil grand là. Voilà. En fait, la colonne vertébrale, elle va être ici. On va avoir une torsion là qui va être importante du bassin. Comme si en fait le personnage, vlan, il mettait un coup, vous voyez, dans la direction de la flèche. D'ailleurs, ce point d'impact, il va nous permettre de situer un petit peu l'équilibre du personnage. Là, on a une frappe. Je vais laisser la flèche exprès, comme ça vous allez avoir le sens de l'action du personnage. J'agrandis légèrement mon espace, pas que tout se chevauche. Ah, par contre, on va repasser en blanc, sinon vous savez ce qui se passe derrière. Hop, quand je vais étirer, on va avoir la couleur secondaire de Photoshop, donc on va passer sur du vert, et c'est pas ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, on va avoir une rotation, ça c'est assez intéressant, mais ça va être un petit peu compliqué à dessiner. Ça veut dire que les abdominaux, en fait, ils vont venir s'accrocher sur le bassin et vont venir faire une rotation. Grosso modo, donc on a dit deux têtes, un, deux. Donc le nombril, il est par là. Et si on rajoute encore une tête, ça veut dire que le bas du bassin, il est par ici. Donc le bassin, pour le simplifier, on va faire une forme géométrique, un trapèze. Donc ça, c'est la base du bassin. Vous voyez, il est en rotation avec la colonne vertébrale qui est ici. Et le bassin, lui, il va revenir presque droit. Et du coup, on va avoir... Je vais vous changer de couleur. Je vais me mettre en rouge. On va avoir en fait les abdos qui sont en torsion et qui viennent se raccrocher sur le bas du bassin. Comme ça. Donc ils vont être cachés par les côtes. On va positionner les bras. Alors on va repérer où sont nos omoplates et nos épaules.
Donc là, rappelez-vous, on a les clavicules qui passent de chaque côté. Et on va avoir les omoplates, donc de chaque côté de la colonne vertébrale. C'est des espèces de triangles qui vont permettre d'articuler les épaules. Et en fait, le bras, lui, il est fixé hop, sur l'omoplate. Donc là, vu qu'on a une frappe, on se rappelle la longueur du coup de l'os du bras, elle fait deux têtes. Donc ça veut dire que le coude, grosso modo, il va être par ici. Voilà, et à peu près à mi-chemin, on va avoir le muscle du deltoïde. Donc c'est le muscle de l'épaule, celui qui, grosso modo, est en trois parties. Donc on pourra faire le triceps, donc le gros muscle qui est derrière. Ce qu'il y a entre le biceps et le triceps, bon, j'oublie le nom à chaque fois. Et on va lui mettre une légère torsion dans le bras pour montrer qu'en fait l'action, hop, elle partait dans cette direction et elle vient frapper comme s'il avait percuté quelque chose ici. Par exemple, un petit bonhomme qui fait. Voilà, il est en train de voler le petit bonhomme. Bon, en vrai, il est en petits morceaux, mais bon, on va éviter la censure. Donc, ensuite, la longueur du bras pour le cubitus et radius, du coup, donc l'avant-bras. On se rappelle que ça fait la longueur du cubitus radius plus la main, c'est-à-dire deux têtes pour compléter l'ensemble. Donc, par contre, ce qui va être compliqué, c'est qu'il faut faire un raccourci. On va faire une sorte de cylindre, mais légèrement plus évasé au bout. Et notre poing, il va être fermé. Donc, au niveau des doigts, on va voir surtout le bout des métatarses qui ressort, avec le pouce qui va être fermé sur l'extérieur. Puisque le personnage, il combat, donc il verrouille son poing pour ne pas être blessé. Ce qu'on peut même faire et accentuer pour que le mouvement ait l'air un poil plus réaliste, c'est même faire en sorte que le personnage y soit plus proche de son épaule. Là, la tête, elle est légèrement trop haute. On va voir l'os du coude. Voilà. Donc on va avoir quelque chose à peu près comme ça. Bien. Alors, on est toujours sur les formes simplifiées. Derrière. Rip le petit bonhomme qui fait ah, il est un peu décédé. Derrière, du coup, là, ici, on va avoir des espèces d'ailes de chauve-souris qu'on voit sur. Comment il s'appelle ce brave homme? Bruce Lee. Parce que lui, ils sont extrêmement développés, donc c'est des grands dorsaux. On va les voir à peine parce qu'en fait, elles vont partir derrière au niveau de la colonne vertébrale. Et nous, on va voir ce qu'on appelle. Bon, déjà, on va voir les muscles juste ici. Mais on va voir ce qu'on appelle les dentelés, les côtes flottantes. On va accompagner les côtes et ensuite le creux des abdos. Salut Cyril Hart, bienvenue. On est en train de compléter notre titan. Alors, pour que le balancier soit correct, le bras à l'arrière, il va servir à maintenir l'équilibre de notre personnage. Donc, puisque le mouvement d'action, il part dans cette direction, ça veut dire que derrière, il va falloir que ça remonte. Soit pour donner l'impression qu'il va refrapper, soit qu'il est entraîné par son élan. En fait, il va ouvrir son bassin. Bon, après, si c'était un boxeur, il pourrait avoir son deuxième poing qui serait ici. Tout simplement pour maintenir sa garde et protéger ses côtes flottantes avec une épaule qui serait là. Mais notre titan n'a pas peur de grand-chose, donc on va plutôt partir sur une posture ouverte avec un élan très fort où il veut tout casser. Donc on rajoute notre deltoïde, notre épaule, on mesure toujours deux têtes, on fait attention au raccourci, du coup on va avoir une impression un peu plus petite du bras. Et là, vous voyez, on dirait qu'il est en train de préparer une patate de forain pour mettre un deuxième coup. Là, ici, on va avoir, hop, notre coude. Je viens de découvrir ta chaîne grâce à Superflame, plus un abonné. Eh ben, merci Cyril Hart.
Alors là, ça va être c'est un petit live d'une heure sur comment dessiner le titan colossal. C'est la suite d'une série de lives sur comment dessiner le corps humain. Et par la suite, on aura une petite pause pour parce que vous savez peut-être maintenant, je travaille sur le jeu vidéo qui est en train de développer Superflame et son associé. Donc j'ai pas mal d'illustrations à faire. Et donc il y aura une petite pause le temps que les illustrations soient achevées, même s'il y en a déjà un bon paquet qui sont terminées. Et du coup, on se retrouvera, je crois, je vais pas vous dire de bêtises, je regarde mon calendrier, ça vous laisse prendre la posture de votre titan. On se retrouvera le mercredi, non, le samedi 25, voilà, pour un prochain live. Je sais pas du tout sur quelle thématique d'ailleurs. On fera peut-être le challenge des six fan art. Alors, main ouverte, main fermée, une préférence. C'est marrant parce que je suis sûr avoir déjà vu le titan dans cette posture. Enfin bon, c'est un classique. Par contre, je trouve que son centre de gravité est un peu loin. Il va falloir qu'on accentue les jambes. Alors, Cyril Hart nous dit, ouais, bonne chance à toi, je viens juste de voir quelques petites vidéos et c'est super. Ouais, merci beaucoup, content que ça te plaise. Tout un tas de vidéos en réserve des constructions des différents personnages pour le jeu de cartes, bon, on les sortira au fur et à mesure. Alors, puisqu'il n'y a pas de préférence, on va partir sur une main fermée. Pour se dire, voilà, on prépare vraiment la patate de forain. Donc, peut-être légèrement par-dessus. Main ouverte, comme pour mettre une grande claque. Ok. Bon, alors on va pour main ouverte. Alors. Main ouverte. Donc déjà, on fait la poigne. Ensuite, on part sur le pouce. On va accompagner tout ça avec les autres doigts. Légèrement trop long. Légèrement entrouvert pour donner cette sensation de force. Par contre, du coup, puisque j'ai modifié la taille de l'index, la posture de la main ne convient plus. On va peut-être la faire légèrement fermée, comme ça. Ça donnera plus l'impression, vous voyez, de ouh, mon sang que tu vas prendre. Un peu comme s'il y a un moustique qui venait de se poser là, vlan! Bon, là c'est notre base, les doigts seront à revoir, ils sont légèrement trop courts. Alors, tac, je vais tricher, hop, je vais agrandir la taille de ma zone de travail pour pouvoir placer les jambes. Ou alors j'aurais pu faire plus simple et réduire tout simplement la taille du personnage, ça marchait aussi. Alors, les jambes qu'on a vues la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Donc là, clairement, il va faire une rotation. Vous voyez, il a donné un premier coup, vlan. Et il est en train de se préparer pour un deuxième coup. Ça veut dire que clairement, son action, on va même mettre plutôt comme ça, elle va venir refrapper au même endroit. Mais ça implique une rotation du bassin. Qui dit rotation du bassin, ça veut dire que ses jambes, elles sont dans la posture où le coup va partir. Donc puisque le coup va partir, on se rappelle, on avait fait les fémurs la dernière fois, fémurs qui font la taille de deux têtes. Donc grosso modo, notre fémur, il serait par là. Peut-être même, voilà, un poil plus bas pour l'accrocher à notre bassin. Bon, après, on va avoir toute la partie musculature qui va compenser cet effet. Et la jambe légèrement désaxée. Alors rappelez-vous par contre, tout ce qui est péroné et tibia, ça fait les trois quarts du fémur. Et là, on va avoir un pied qui va peut-être plutôt venir en intérieur. Pied qui va être délicat à faire parce qu'on aura un raccourci. Voilà. Pas l'air trop mal. Peut-être reprendre légèrement la courbe. Ok. Et l'autre jambe qui va venir sur le côté. Toujours pareil.
Attention aux proportions. Donc rappelez-vous, les fémurs, c'est deux têtes. Donc ça, c'est fémur. Ensuite, le tibia, c'est trois quarts du fémur. Donc en fait, c'est une tête et demie, hein, si on parle en termes de tête. Tu pratiques le dessin depuis combien de temps? Oula, vaste question. Je sais pas, depuis que je suis en âge de tenir un crayon. Donc ça fait au moins 3 décennies. Alors depuis très très longtemps, oui. Enfin très longtemps, tout est relatif, ça dépend de l'âge de chacun. Hop, par contre ça va être important au niveau du bassin, ça va ressortir. Toc. Peut-être plutôt lui faire partir le pied vers l'extérieur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder où est le centre de gravité de notre personnage pour que ce soit cohérent. Concrètement, tout son poids est vers l'avant. Donc, il est hyper important. On va le faire en rouge pour que ce soit clairement visible. Il est hyper important, vu que sa tête est avancée, comme ceci, que son poids il soit compensé. Donc là, son poids, c'est vraiment là où ça va être le plus fort. Par contre, s'il avance trop, bah, il va se casser la figure. Donc ça implique que son autre jambe, elle va devoir compenser ce placement. Hop. Alors, moi ça fait que 3 ans, 10 fois moins que toi. Ceci dit, ça veut pas dire que tu es moins compétent. On peut apprendre énormément en regardant. Je suis perplexe quant au placement de ma seconde jambe. Parce que je me dis on peut créer un déséquilibre assez cool sur sa façon de frapper, mais d'une autre façon, je pense que la torsion est peut-être un peu grande. J'aurais tendance à dire que il faudrait que le fémur soit accompagné, il accompagne la torsion de la jambe. Bon, je sais que vous êtes au crayon à papier, donc je vais pas vous faire tout refaire. Si c'était mon illustration. Et qu'il n'y avait pas de gens qui regardent, j'aurais refait cette jambe. Parce que moi, elle me convient pas tout à fait. Mais bon, c'est pas dramatique. Alors, Milka nous dit coucou. Ben, coucou Milka. Bienvenue à toi. Ah mince, hop, j'ai oublié de changer l'opacité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. On va donner l'impression que il a sauté sur sa jambe, là, sur son point d'appui. Paf! Voilà. Avec quelques traits pour suggérer ce saut. Et derrière. On va avoir soit de ce côté la jambe qui part. Ça peut être pas mal. Là, on va faire un raccourci. On va avoir le pied qui va être à l'arrière. Vous voyez, comme si vraiment il avait fait un bond en avant, patate de forain, et qu'il préparait une grosse tartine. Alors, maintenant, tu pourrais à moitié lever la jambe qui est derrière avec la partie du tibia vers le haut. La partie du tibia vers le haut. Oui, tout à fait, je vois ce que tu veux dire. Bah, je crois que c'est ce que j'ai fait. Alors, je vais diminuer l'opacité de ce calque. Je me rappelle plus ce que j'avais mis de ce côté. Ah oui, c'était notre posture initiale. Bah, du coup, on a pas gardé la même posture, mais bon, c'est pas dramatique. Là, on avait point tendu et il allait refrapper sur le croquis de base. Croquis de base que je vous remets ici. Qu'on allait chercher tout à l'heure avec les premiers viewers. Et du coup. Là, on a légèrement changé l'axe. Alors, moi, je vais tricher un poil, puisque je suis sur le numérique, je vais diminuer l'opacité. Vous, en fait, il va simplement falloir maintenant passer avec un crayon à papier plus gras, ou éventuellement avec crayon de couleur ou micro-pointe noire. Là, il y a deux approches. Soit vous allez faire ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire faire vos contours en repassant avec un stylo noir, soit vous allez faire vos masses si vous travaillez plus sur les muscles, c'est-à-dire des grandes épaisseurs. Et moi, je vais travailler en masse pour qu'on ait une sorte de représentation couleur. Alors, par contre, je vais changer de calque et on va commencer par le visage. Donc, on reprend nos traits de construction. Et là, je vais m'attarder notamment sur les parties écorchées. Donc les parties écorchées, c'est les parties où les muscles sont clairement visibles. Donc je suggère le modelé du visage, c'est-à-dire sa forme, avec différents traits,
qui vont suivre en fait les courbes et ensuite je repasse dedans. Donc ça, avec un crayon de couleur ou un feutre, vous pouvez clairement le faire, mais ça va être un poil plus long. Là, je vais repasser plusieurs fois pour travailler sur mon opacité. Et je peux suggérer les ombres, non pas en prenant du noir, mais simplement en repassant plusieurs fois. Alors vous avez peut-être entendu un petit bruit, une espèce de bourdonnement géant. C'était mon chat qui a sauté sur le bureau en faisant brrr, brrr. Parce que ce chat, il ne sait pas miauler. Un Garfunkel. Moi, je lui ai pas fait de câlin, pas content, il est parti. Il est parti espionner le voisin par la fenêtre. Voilà, hop, on passe de l'autre côté, toujours arcade sourcilière violente de notre personnage. Rappelez-vous, il est énervé, on lui a piqué son 4 heures. Voilà, tac, je laisse l'œil en blanc, je fais encore une fois démodeler. Donc vous voyez, en fait, tout ce qu'on a appris précédemment, on le réinvestit. Et là, tout ce qu'on vient de faire à l'instant, également. Alors là, il a un muscle qui va venir refermer sa mâchoire qu'on voyait pas trop tout à l'heure sur le crayonné. Je laisse les dents en blanc. Là, je vais avoir les fibres du menton qui vont dans cette direction. Alors oui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé plusieurs fois le même brush. Et en fait, par rapport à son opacité, en se superposant, chaque jonction a créé naturellement la fibre musculaire. Hop, là, on va suivre l'arrondi du crâne. Attention, quand on passe derrière l'oreille, hein, il disparaît. Et là. On retrouve l'arrondi du crâne ici aussi. On va venir faire des creux. Hop, pour faire les creux, on va considérer que les ombres sont projetées. Donc sur les bords de la membrane osseuse, enfin cartilagineuse, puisqu'on a dit qu'elle est capable de se déformer, on va repasser pour créer cet effet justement de volume. On se rappelle que là, il a une légère bande au-dessus de la bouche où on voit aussi la partie écorchée, donc la partie musculaire. Je repasse cette fois-ci au noir pour pouvoir affirmer mes contours. Parce que tout à l'heure, on était sur le calque brouillon. Donc c'est exactement la même chose que sur papier, hein. C'est-à-dire que là, normalement, il faudrait utiliser un micro-pointe. La seule facilité qu'il va y avoir sur le numérique, enfin les deux facilités, c'est que si vous vous trompez, bon, évidemment, CTRL-Z. Et l'autre particularité, c'est que ça sèche plus vite, quoi qu'on en dise, puisqu'il n'y a absolument pas de temps de sèche. Bon, on reviendra peut-être juste après sur les détails, un poil plus tard, si on veut pouvoir le faire en entier, il faut passer à la vitesse supérieure. Et peut-être augmenter légèrement les contrastes. Donc pour ça, vous avez vu, je suis allé dans les outils au-dessus, j'ai modifié l'opacité. Accentuer un petit peu sa mâchoire carrée ici et faire rejoindre l'oreille. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez me partager votre travail une fois qu'il est terminé, ou même en cours de progression,
avec le hashtag MonTitanUéArt sur les différents réseaux ou en me mentionnant. Et puis moi je le repartagerai. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous le montrer sur Discord et on peut le commenter si vous avez besoin d'aide pour progresser, peut-être. Voilà, là on a à peu près la tête. Alors je suis dégoûté de t'avoir découvert il y a quelques jours, j'aurais pu suivre tes lives, ça m'aurait aidé. Nous dit Pierre Verger. Bah déjà, bienvenue, merci beaucoup. C'est très gentil. Et il ne faut pas être dégoûté pour la simple et bonne raison que 1. Ils sont tous disponibles en rediffusion. Bon, certes, il n'y a pas l'interaction. Mais ça te permet, si tu le souhaites, de revoir peut-être les bases anatomiques avec ma méthode. Je sais pas si elle te sera utile. Et par la suite, bah, il y aura d'autres lives. Donc l'avantage, c'est de ne pas m'avoir découvert d'ici 3 ans. Alors, on va s'occuper maintenant, on va repasser au rouge, de toute la masse au niveau du cou. Donc vous voyez, il y a uniquement les muscles qui viennent encadrer la carotide qui sont sous forme de membrane. Donc hop, on va les laisser passer. Vous voyez, ils partent en diagonale, donc ils reviennent vers l'avant, ils vont se fixer sur les clavicules qu'on ne voit pas et ils s'accrochent derrière l'oreille. Donc c'est-à-dire que ici, on va rester sur du muscle. Voilà, comme ceci. Le muscle va être en deux parties. Il y aura une partie creuse ici qui va venir en fait se fixer à l'arrière du dos. On va retrouver un espèce de losange normalement qui laisse apparaître la colonne vertébrale. Et ensuite, on va suivre toute la courbe de la colonne vertébrale qui passe derrière le dos. On ne sait pas trop comment il est foutu de dos là, notre titan. On va supposer qu'il est uniquement en fibre musculaire. Donc, on va faire nos différentes stries pour avoir les angles. Voilà, hop. Là, le muscle, on va repasser sur le côté pour lui donner une orientation. Le muscle, par contre, au niveau du cou, on va le faire à la verticale. Ensuite, les trapèzes, donc ils vont passer, on a dit, ici, et on vient s'insérer le long de l'omoplate. Alors là, ça devient un peu plus complexe parce qu'il y a des notions d'anatomie fortes et vu qu'on n'a pas travaillé sur le dos. Vous avez été audacieux, vous m'avez dit on le fait de dos alors qu'on a travaillé sur le torse avant. C'est dommage. Je crois que la musique s'est arrêtée. Oui, s'est arrêtée. Ça nous dit que ça fait 1h07 qu'on l'écoute. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux, c'est pas possible. Ou alors c'est que j'ai dû l'avancer sans le faire exprès. Voilà, pour ceux que ça intéresse, la musique elle est en début de live. Je vous ai mis la description, c'est de la musique libre de droit. Alors, deltoïde avec deux parties. Trois, pardon, parties principales. Première, voilà, qui va se fixer ici, donc sur l'os. Seconde, cette fois-ci qui va partir vers l'avant. Et enfin, troisième, plutôt vers l'arrière. Donc, ensuite, on va avoir un petit peu comme pour les pectoraux. Grands muscles qui vont suivre tout le long du dos. Alors le titan il est pas extrêmement juste hein, d'un point de vue anatomique. Bon là l'objectif c'est pas de faire un écorché réaliste. C'est assez curieux d'ailleurs comme il est fait le titan parce que si on y regarde de près il y a des notions d'anatomie mais clairement il y a des choses qui sont mal observées. Alors je sais pas si c'est ce qu'a voulu faire le créateur ou si c'est simplement peut-être des simplifications maladroites. Mais bon, on n'est pas là pour juger, nous, on est là pour reproduire le modèle. On va le séparer en trois grandes parties. Vous voyez, là, je vais accentuer un petit peu, pour qu'on voit un petit peu les modeler. On y reviendra dessus tout à l'heure avec notre micro-pointe noire pour suggérer justement les volumes. Comme ça, vous voyez, hop, en repassant avec une opacité un peu plus forte, je définis les masses différentes. J'avais oublié l'arrière de la tête. Donc, on a le biceps, hop, le muscle des haltérophiles, vous connaissez bien. Tac, 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 avec Bazinga et tous les musculeux du YouTube Game. Tac, 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 tac.
Qu'est-ce que je dis d'autre? Oui, on fait un bond dans le temps. Tout à fait, ça dessine bien ici. Oui, monsieur Sion, bienvenue à toi. Je n'avais jamais vu ton nom. Je suppose que tu arrives pour la première fois. Rappelez-vous, muscle central. Hop. On va laisser une fibre. Je sais que sur le modèle, la gauche, elle y est pas, mais moi je trouve que c'est un peu trop rouge toute cette histoire. Derrière le triceps. Donc là, clairement, pour muscler les triceps, c'est quand on fait des dips. Certains d'entre vous connaissent peut-être. Pas mal de challenges, 500 dips en 30 minutes en ce moment. Eric Flagg l'a fait. Je sais pas si Avner, il s'y est collé. Je crois qu'Avner, il a peut-être lâché un peu la muscu. Peut-être plus sur les séries musicales maintenant, plus je crois qu'il a une fille. Hop, on reprend nos muscles. Tac. Tac, je vous propose de laisser le coude apparent aussi. Même si on le voit pas, je pense que c'est pertinent. Ça, on va voir les muscles qui vont se fixer dessus. Je vais rajouter un peu de noir pour que vous puissiez voir un petit peu dans quelle direction on va. Ça sera peut-être plus clair pour vous. Et là, on va avoir un creux. On verra si on a le temps de faire les ombres, mais il est déjà 17, donc il nous reste peu de temps. Va peut-être être limite au niveau du temps. Tant pis, j'accélère un petit peu. De toute façon, après, on a déjà vu tous ces éléments. Là, c'est simplement, on les met en situation. Hop. Donc, on a dit laine membrane ici. Donc, c'est pas mal, ça. Ça, je pense, vous voyez que c'est une aide pour l'illustrateur, le dessinateur. Clairement, il a mis des espèces de poignées de force au niveau des poignées du personnage. C'est clairement pour délimiter les actions de son personnage quand il est en train de se battre. Ça permet une meilleure lisibilité sans pour autant trop s'attarder sur les détails. On travaille plus sur les masses. Donc là, on est presque plus dans le dessin. À un moment donné, ça devient presque de la peinture quand on travaille sur les masses. On parlera de pictural, alors qu'au contraire, quand on va faire des tracés, on parlera de graphie, d'où calligraphie. Donc c'est tracé pour former des lettres. Et nous, la graphie, ça va être tracé tout court, tracé pour dessiner. Bon, normalement, vous voyez, il faudrait hop, étirer à chaque fois les fibres musculaires pour suggérer davantage de volume. Pour donner un côté un petit peu bombé. Voilà pour notre petit personnage, tac. Alors je vois qu'il y a des choses qui s'écrivent dans les commentaires, mais j'avoue que pour l'instant mes yeux sont plutôt concentrés sur ce que je suis en train de faire. Hop, non, je prends le temps de vous lire. Fais-tu des études de dessin ou est-ce simplement de la pure passion? J'ai fait des études de dessin, je n'en fais plus. En fait, maintenant, je suis professeur de dessin. Mais ça a débuté par des études à la base en chaussures et maroquinerie. Ah, je crois que j'ai reçu un SMS. Est-ce urgent? Nope.
Ok. Tout va bien, ça attendra tout à l'heure. Un peu ambitieux, un live en une heure pour faire un personnage complet tout en l'expliquant et en le rendant accessible, peut-être un peu trop rapide du coup. Je pense que les fois prochaines, on prendra plus le temps pouvoir expliquer ce qu'on est en train de faire. Par exemple, là, quand je suis en train de faire les intercostaux, vu que je vous donne pas les insertions, bah, ça va vous laisser de marbre. Hop, là par exemple, c'est important de dire qu'on voit une partie des abdos. Oui, hop. Là, en fait, ici, on a le nombril. Donc ça veut dire que par rapport à la forme du titan, là, vous voyez, là, ici, là, touc, 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 je suis en train de rougir. Vous allez avoir cette partie qui va être comme ceci. Comme si c'était un cœur géant. Hop, 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 hop. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrossir les masses. C'est-à-dire que je vais rapidement faire les muscles. Et après, on va venir sur le détail. Donc, niveau des quadriceps, ça se fixe juste au niveau de la rotule. On en a un qui est très massif au centre. Ensuite, ça part sur le côté. Tac. Ça va par trois. On fait pareil sur l'extérieur. Ça redevient fin au niveau des hanches. Là, on va avoir le muscle sur lequel se fixe le gras des poignées d'amour. On va faire pareil de l'autre côté. Tac, on fait attention parce que sur le titan, il a un liseré blanc. Voilà. Tac, 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 tac. On accélère, on accélère, on accélère. Là, quadriceps, tac, accroché au bassin. Tac, interne. Tac, externe. Fessier. Hop. Du coup, ce qui est adducteur. Enfin, donc là, vous pouvez voir que tout ce qui est rotule tibia, il n'a rien. Donc, on va passer directement au mollet. Donc, rappelez-vous, à l'intérieur, ça a tendance à descendre. À l'extérieur, ça monte. Hop. Son tibia, il a tendance à être visible en extérieur et il a une espèce de petite bande blanche, donc on va la laisser apparente. En gros, il a une bande ici, il a une deuxième bande juste en dessous et après il a une bande qui vient sur le pied. Voilà. Et ensuite le pied, hop, petit orteil, autre petit orteil, autre petit orteil, autre petit orteil, gros orteil. Là. Hop, donc le muscle est légèrement rattaché en dessous de la rotule sur le titan, et là, du coup, rotule apparente, on est sur la partie extérieure, tac, mollet. On a dit, hop, il a rien autour de la cheville deux fois, donc 1, 2, il s'élargit et il a rien autour du pied. Donc sur le dessus du pied, au niveau du coup de pied, qui revient presque à l'extérieur. Talon. Doigt de pied. Hop, hop, hop. Voilà. Ensuite. Alors, tac, tac, tac. Ah, intéressant, et professeur, à quel niveau? Alors, j'ai enseigné à l'université dans les métiers de la communication visuelle, notamment pour le travail d'affiche et la formation en Photoshop. Et actuellement, j'enseigne dans les collèges. Donc, un peu touche à tout. En fait, il me manque que les primaires et les maternelles pour avoir accès à tout. Du coup, c'est intéressant parce que ça force un travail de l'esprit pour se rendre accessible. C'est pas le même public à chaque fois. Là, ce qui est pas évident sur YouTube, c'est que je ne sais pas à qui j'ai affaire. Donc parfois, j'ai l'impression que ce que je dis est trop simple. Donc, les gens vont se dire, mais il nous prend vraiment pour des débiles, c'est pas très sympa. Et à d'autres moments, je me dis, ah, peut-être que ça va un peu vite. Là, bon, j'ai clairement la sensation que ça va vite, mais c'est une question de gestion de temps. Alors, je sais pas si vous voyez, là, j'ai encore fait
une fois le deltoïde, donc c'est les muscles de l'épaule en trois fois. Je vous les sépare pour que vous voyez bien. Vous avez hop le plus grand, tac, qui va aller sur l'humérus. Humérus comme muscle du bras. Biceps, triceps. Alors triceps, on se rappelle, ça fait une espèce de bouboule au-dessus. Et puis après, ça va s'étirer. Là, tac. Ensuite, sur le radius, le muscle ivrygne s'accroche au niveau du coude. Là, le muscle clavien aussi. Hop. On a dit que notre titan, il n'avait rien au niveau du poignet. Voilà. J'aimerais lui laisser le coude apparent. On va quand même revenir un petit peu parce que le particularité du triceps, c'est qu'en fait, il encadre le bras. Voilà. Ensuite, donc notre claque de forain, là. Hop, métatarse, métatarse. Alors, métatarse du majeur, hein, légèrement plus grande, évidemment, et métatarse de l'auriculaire, donc le petit doigt, est plus petite, évidemment aussi. Métatarse fait à peu près la taille de toutes les phalanges, sachant que première phalange, c'est la plus grande, elle fait la taille en l'additionnant des deux suivantes. Voilà. Ensuite, il faut compter un tout petit peu plus petit. Et là, on a à peu près notre main squelettique qui va nous permettre de dessiner nos doigts. Pouce. Alors, pouce, lui, il a que deux phalanges. Voilà. Ensuite, fibre musculaire. Et du coup, il est 21h28 et nous n'avons pas vraiment fini. Alors, on va continuer à avancer. Au collège, tu es prof d'art plastique, du coup. Oui, absolument. Professeur d'art plastique au collège. Mais bon, en règle générale, les élèves, ils savent pas forcément qu'on sait dessiner. Ça dépend en fait comment on aborde les programmes. Moi, je sais que le problème, c'est que quand je dessine, ça peut décourager les élèves. On va dire, ah, mais monsieur, c'est parce que vous êtes le prof, c'est normal, c'est votre métier. Alors que c'est une question de pratique et d'entraînement, hein. C'est pas inné. En fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte que art, toutes les disciplines, en fait, ça demande du temps. Alors forcément, quand on est passionné, c'est pas que ça demande moins de temps, mais c'est simplement que le temps investi, ben, on ne le voit pas, parce que pour nous, c'est du plaisir. Pour ceux qui sont passionnés pour une discipline, ben, ils n'ont pas l'impression de passer des heures et des heures et des heures sur leur discipline. Donc les gens leur disent, ouais, mais c'est le talent, c'est naturel, toi t'es né, tu savais faire. Alors ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que même si c'était des tout petits dessins en marge à l'école, bah, ces petits dessins, ils avaient lieu tout le temps. Et finalement, si on dessine tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, bah, on finit par progresser à un moment donné. À force de pratique, ça paraît cohérent. Alors là, attention, hop, on va avoir un tendon. Voilà. Donc le tendon, il part du haut, en fait, du bassin, et vers l'intérieur de la cuisse, et du coup, il va créer une petite bosse. On avait vu la dernière fois quand on a travaillé sur le bassin, donc je crois que c'était mercredi dernier, si je dis pas de bêtises. Ça va être les adducteurs. Après, attention, il est possible que par moment je me trompe sur les muscles. En général, je ne parle que de ceux que je connais. Mais je suis. Moi, je fais du dessin et pas de l'anatomie. Alors, l'un et de l'autre, hein, forcément, vous l'aurez vu. Quand on comprend ce qu'on dessine, c'est beaucoup plus facile de dessiner. Je vais juste rajouter quelques traits, même si j'en crois pas forcément autour, pour suggérer encore une fois le mouvement en fait des muscles. Donc là, par exemple, hop, on va avoir une attache sur la rotule. Donc on va avoir le muscle qui va se transformer en partie tendineuse, donc en tendon. C'est ce qui va suggérer encore une fois le volume
Hop, celui-ci se fixe un peu plus à l'avant. Pareil, tac, tac, tac. Et surtout, il ne faut pas juger d'un dessin tant qu'il n'est pas fini. Vous voyez, plus on rajoute des couches, en fait, plus notre dessin il prend forme. Ça doit être vachement compliqué d'être pédagogue dans cette discipline au collège. Ça dépend, parce que si on aborde le fait que on vit dans un monde de l'image, où ce qui reste des sociétés à chaque fois, finalement, c'est l'art, parce que l'art, c'est très vaste. Ça peut être l'architecture, on pensera aux pyramides, on pensera à la Renaissance dans ses sculptures, on pensera à l'art des mosaïques, on pensera aux enluminures au Moyen-Âge. L'art est partout, et puis surtout l'art est design. La forme de votre tablette Apple, la forme de vos lunettes, le choix de vos chaussures, de vos vêtements, le design de votre automobile, en fait tout relève de la plasticité, c'est-à-dire de la forme des objets, que ce soit pour les vendre ou pour leur fonction. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille en aéronautique, il va pas que penser le côté visuel de sa création, il va aussi penser le côté fonctionnel. Hein, vous pensez bien qu'une navette spatiale, elle n'est pas faite juste pour être jolie. Si elle a cette forme, c'est justement pour éviter les frottements, pour permettre une meilleure résistance. Je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que c'est pas mon domaine d'expertise. Mais l'idée, c'est que ça passe forcément par des créateurs qui vont allier compétences techniques et compétences graphiques. Finalement, la forme, à un moment, elle devient fonction. Donc si vous arrivez à faire comprendre à vos élèves que même si ils ne veulent pas faire du dessin, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture plus tard, mais que ça va leur permettre d'appréhender le monde qui les entoure, bah là vous pouvez les raccrocher. Ce qui va être plus compliqué en fait, c'est des élèves qui se disent les arts plastiques ça sert à rien et je suis nul en dessin. C'est-à-dire que là ce qui est dommage c'est que déjà ils pensent qu'ils peuvent pas progresser, alors que tout le monde peut progresser. Et ensuite, ils partent du postulat que les arts, c'est inutile. Donc ça veut dire qu'ils sont prêts par un biais commun, ou ils sont peut-être dans un monde mentaliste, où ils se disent, si je peux pas en vivre, c'est que ça sert à rien. Si c'est pas pour me rapporter de l'argent, c'est inutile. Alors, déjà, un, ça peut rapporter de l'argent. Et ensuite, ben, c'est important pour se faire plaisir. Je veux dire, quand on dessine, on n'est pas forcément dans un état second, mais on prend plaisir à progresser. On apprend à chaque dessin, en fait. Là, vous voyez, par exemple, je dis, ah, ben, ce doigt de pied, j'aurais jamais dû le faire comme ça. Il a une forme très étrange. Alors, soit je peux le gommer, tac, et revenir en arrière, mais c'est un peu triché parce que vous, vous êtes au crayon à papier. Soit la prochaine fois, je me dis, bon, bah, clairement, mon pied, au niveau de sa forme, peut-être que mes doigts de pied, il va falloir que je les vois plus dans cette forme-là, et après, avec un ongle, on va pouvoir suggérer un modèle, tac, tac, tac. Peut-être que ça fonctionne pas, peut-être qu'il faudrait partir dans un autre sens. Mais c'est pas grave, c'est à force de pratique qu'on va obtenir un résultat. Après, ça peut être simplement ajouter des détails. Là, par exemple, faire le tendon qui passe dessus. Tac, 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 tac. Donc, tout est question d'appréhension. En fait, la pédagogie, elle va dépendre du public qu'on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il faut être aussi capable, à un moment donné, de pas se dire, moi, j'arrive avec mes acquis, et il n'y a que les élèves qui doivent se remettre en question. La remise en question, elle va dans les deux sens. On a chacun des vécus différents, des expériences, une culture aussi. Si on nous apprend, je vais dire n'importe quoi, que écraser les fourmis, ben, c'est bien. Le jour où une personne vous dit, mais pourquoi tu tues les fourmis? C'est pas bien, c'est pas sympa. Ben, vous allez lui dire, bah, je sais pas, moi, on m'a appris tout le temps, pourquoi ce serait pas bien? Ben, c'est des êtres vivants, ils souffrent aussi, et puis surtout, qui es-tu pour choisir de la vie ou de la mort d'une fourmi? Et du coup, bon, ben, c'est le débat qui est intéressant. Le débat qui peut se passer de façon plasticienne. Je me rappelle d'une expo que j'avais vue que j'avais trouvée assez intéressante. Bon, vite expédiée, mais intéressante quand même. Où, en fait, il était question vraiment de la matière de l'œuvre. C'est-à-dire que l'artiste, il avait présenté devant nous des cartons complètement humides, délabrés. Donc, au premier abord, on pouvait se dire, oh là là, c'est nul, qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Et il y avait marqué, vous avez le droit de toucher. Donc par curiosité, j'ai touché l'œuvre et je m'attendais à quelque chose d'humide qu'elle allait me rester dans les doigts. Vous savez, ces cartons qui restent trop longtemps dans la rue mouillés et qui du coup bah, deviennent poreux, presque de la gadoue quoi.
Et en fait, il se trouve que le carton, quand je l'ai touché, bah, c'était du marbre. C'est-à-dire du marbre sculpté de façon tellement fidèle qu'on aurait dit un carton mouillé. La peinture qui était dessus évoquait la couleur du carton. Les reflets avec une espèce de vernis évoquaient aussi ce côté prêt en fait à être délabré. Et finalement, il s'est avéré que c'était du marbre. Et là où c'est intéressant, c'est que bah, on se disait, le statut du marbre, là, il est complètement biaisé. Le marbre, normalement, on imagine les temples grecs de l'Antiquité. Et ça a ce côté extraordinaire, le temps qui passe, la noblesse du matériau. Et là, on se dit, tiens, c'est marrant. Il n'a pas changé la matière, mais il a changé la forme et la couleur. Et à partir de ces deux paramètres, mon expérience en tant qu'observateur a été biaisée et j'ai émis un jugement. J'ai mis un jugement face à l'artiste, j'ai mis un jugement en repensant la société peut-être aux sans-abri qui malheureusement doivent parfois survivre avec des cartons. Et du coup, ça entraîne tout un dialogue qui peut être intéressant. C'est-à-dire que l'art peut aussi être vecteur de communication sans pour autant qu'on ait besoin de dessiner. Encore faut-il que l'œuvre soit capable d'être autosuffisante, c'est-à-dire de parler au spectateur sans qu'il ait forcément besoin de consulter des articles ou des choses comme ça. Donc après, ça va être le travail de l'artiste, à savoir à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse à des gens qui connaissent rien? Est-ce qu'il s'adresse à des spécialistes? Est-ce que c'est purement intellectuel et ça a besoin d'explications? Auquel cas, est-ce qu'on peut encore parler d'œuvre autonome ou pas? Donc ça, moi, ce sont des questionnements qui m'intéressent. Alors, j'aurais tellement aimé entendre tout ça plus tôt. Ah, c'est pas faux, mais est-ce que tu étais capable de l'entendre à l'époque? Parce que c'est aussi différent d'entendre quelqu'un qui vous parle comme ça en live, vous avez voulu venir spontanément, de quelqu'un qui représente une institution qui est face à vous avec une exigence, 55 minutes, c'est fixé entre mathématiques français, il n'y aura pas le temps de goûter, vous n'êtes pas bien, vous avez déjà fait 4 heures le matin, c'est tout un contexte. Alors, Zinedine93 nous dit « Je vais essayer de travailler dur cet été pour m'améliorer en dessin. » En tout cas, tu es le bienvenu. J'ai vu quelques dessinateurs, genre des avant-après 2017-2020, et il y a des différences incroyables, ça doit être incroyable ça. Eh bien, tout à fait, sur les avant-après, en fait, il y a un truc qui paye vraiment, c'est de garder vos dessins, même s'ils vous plaisent pas. Vous êtes dans un petit classeur avec des pochettes plastiques, et vous les ressortez un ou deux ans après. Vous allez voir que même si vous avez l'impression, par exemple, de pas vous améliorer, y aura des différences. Il y aura des différences, il y aura parfois des stagnations. En fait, en dessin, je trouve, de mon expérience personnelle, qui vaut ce qu'elle vaut, je trouve qu'on a des moments de stagnation et on a d'autres moments où on va progresser hyper vite. Et surtout, la progression, elle peut se faire par l'observation, il n'y a pas forcément besoin de dessiner. Ça peut être juste, tiens, j'ai compris comment un reflet d'une lumière tapait sur le métal plutôt que sur le bois, comment je peux différencier les deux, et donc comment je suis capable, maintenant, par la pratique, de suggérer ces deux types de matériaux. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que ça vous passionne. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je trouve qu'on a une communauté suffisamment réduite sur cette chaîne pour pouvoir avoir un dialogue assez construit. Et intéressant d'ailleurs, n'hésitez pas à poser des questions ou partager vos expériences. Je suis tout oui. Enfin, tout oui. Si on peut être tout oui avec le regard. Hop. Bon, on a un petit peu dépassé le temps. On a fait 10 minutes de plus. J'espère pour celles et ceux qui ont dessiné en même temps que moi que c'est pas allé trop vite. Parce que je pense que ça peut être le cas. Mais il faut pas vous décourager. L'idée, c'était de vous montrer tout ce qu'on a appris, comment on pouvait le mettre en application. Et puis aussi de vous montrer une méthode de travail. Là, vous voyez, je travaille tous sur le même calque. Je peux enlever d'ailleurs maintenant mes croquis. Bon, on s'est quand même éloigné de notre élément central au début. Le personnage a une posture assez dynamique. Il est peut-être un peu délavé par endroits. Il mériterait d'être affiné encore. Après, évidemment, avec d'autres calques, quoiqu'on n'est pas obligé de changer de calque, on peut travailler sur les ombres. Il
les ombres qui vont être projetées par le personnage. Donc là, tous les éléments qu'on vient de voir, le torse, les mains, les pieds, les jambes, les bras, le buste, tout ça a été vu en live précédemment. Donc si vous voulez jeter un œil sur les rediffusions live de la chaîne, vous pouvez. Et encore une fois, si vous voulez partager vos créations, vous pouvez le faire avec le hashtag MonTitanUAArt. Et je serai très heureux, soit si vous le souhaitez, d'avoir des retours critiques, soit si vous voulez juste le partager et profiter de la visibilité que j'ai, c'est un plaisir aussi de partager votre travail. MonTitanUAArt, soit sur Twitter, soit sur Instagram, vous pouvez directement me taguer sur Instagram, c'est comme vous voulez. Voilà. Alors, il est presque terminé, je vais encore peaufiner quelques éléments. Hop, on aurait presque envie de rajouter du décor, hein, par exemple un mur qu'il est en train de casser ou un personnage qu'il est en train de projeter. Ah, je suis pas à 100% de l'opacité. On va remettre le flux à 100%. Bon, comme je disais aussi pendant le live tout à l'heure, le prochain live aura lieu le dimanche 25 juillet, je crois. Je vérifie la date. Ouais, c'est ça, c'est dans un mois. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pour la simple et bonne raison que là, je suis en train de travailler avec Superflame sur le jeu vidéo dans l'univers de Superflame Story. Donc Andrew Bennett et la porte de l'étrange, entre autres choses. Et du coup, bah, ça prend du temps. Alors, peut-être, par contre, sur la chaîne du studio, c'est possible qu'il y ait des lives où je serai présent pour dessiner en direct certaines cartes. Ça n'a pas encore été bien défini. On verra peut-être un peu plus tard pour ça. Je ne veux pas vous donner de fausses informations. On en a parlé à un moment donné avec Superflame. C'est à voir. Voilà. Je vais vous montrer une petite astuce. Vous voyez ici, vous avez différents calques, on va passer en mode produit. Et le mode produit nous permet de passer à travers les calques avec une couleur plus sombre. Là, si par exemple je mets ce gris, ça va pas faire du gris. Je vais vous montrer. Je mets en mode normal, avec 100% d'opacité, je trace du gris. Vous voyez? Tac. D'accord? Je mets ce gris sur mon personnage, forcément ça devient gris. Quand je passe en produit, en fait, ça va assombrir la couleur déjà présente. Donc ce qui est intéressant, c'est que là, ça va assombrir mon rouge, donc je peux projeter mes ombres. Par exemple, si ma source lumineuse vient de face, je vais vous mettre un point de repère pour que vous voyez ce que je veux dire. On va dire qu'elle vient d'ici. Hop, tac, tac. Donc là, j'ai ma lumière. Voilà. Mon personnage, je vais pouvoir assombrir donc toutes les zones opposées. Donc sur mon calque produit, donc ça c'est justement le mode. Donc il existe plein de modes différents. Donc c'est une option que fait Photoshop. Je suppose que les autres logiciels de traitement d'image le font aussi. Je reprends vos commentaires, je vois que ça pop. Alors, Milan nous dit, j'avoue que c'est hyper intéressant cette vision des choses. Alors malheureusement j'ai tellement parlé que je ne sais plus vraiment de quoi tu parles. Peut-être l'aspect art plastique et l'œuvre qui était en marbre. Est-ce que tu as eu des retours de tes élèves positifs, négatifs? Alors, j'ai de la chance. En règle générale, les élèves me font des retours positifs ou pas de retour du tout. Sur Twitter, oui, possible, Pierre Verger. Vous pouvez partager vos travaux sur Twitter, sur Instagram, sur Discord, sur Facebook, si vous le souhaitez. Et donc tu es employé par le studio? Alors, oui et non. En fait, je suis employé par Superflame pour ce travail-là, pour la bande dessinée, pour les couvertures de romans de façon ponctuelle. Et le studio, pour l'instant, n'a pas les moyens, je pense, d'employer quelqu'un à temps plein. Ça coûterait trop cher. Mais ça viendra peut-être dans le temps à venir. Donc vous voyez, je projette les ombres qui vont me permettre de créer de l'épaisseur sur mon personnage, encore une fois. Donc vous voyez qu'on pourrait y passer des heures. Hein. Là, on a fait quoi? On a fait 1h15 et on a papoté en même temps.
Imaginez que par exemple pour certaines productions, notamment le travail que j'avais fait de Squeezie, le travail m'avait pris, je me rappelle plus, je dirais 28 heures, 28 heures, 30 heures, je saurais plus vous dire exactement. Mais du coup, bah, plus vous passez de temps sur un travail, plus théoriquement le rendu peut être spectaculaire. Après, tout dépend ce que vous recherchez, hein. Ça peut être très pertinent aussi de ne pas forcément passer beaucoup de temps sur quelque chose, mais d'être efficace. Tout dépend si vous cherchez quelque chose de réaliste ou non. Là, vous voyez, ce que je vous montre, cette astuce aussi avec le produit, c'est que vous pouvez travailler en faisant différentes couches. Là, par exemple, je veux que toute cette partie du visage, elle soit plongée dans l'obscurité. Et vous voyez que les parties que j'ai déjà travaillées, donc là, hop, la tête, forcément, l'ombre se projette derrière. Donc toutes les parties que j'ai déjà travaillées ici, elles sont plus sombres parce que le calque dessous existe et en fait les opacités se cumulent. Et après on peut gérer l'opacité des différents calques. Donc ça c'est une petite astuce du numérique. Là par exemple je sais que mon bras, bah là il y a du volume. Donc là ça va projeter de l'ombre aussi. On va avoir un creux. En fait, ces différentes zones d'ombre vont vite créer de la vie chez notre personnage, sachant qu'on peut les accentuer extrêmement. Je peux, si je souhaite, faire un personnage très marqué, très comics, et là arriver avec du noir, et peut-être même faire des choses comme ça, vous voyez, très marquées. Et on va jouer du coup sur les styles. Hop! Et les rendus ne sont pas les mêmes. Là, on travaille du coup au lasso. Là, je sais que cette zone-là, elle n'est pas éclairée. Hop, cette partie-là, elle arrive ici. Et les rendus, donc, ne vont pas être du tout les mêmes. Là, c'est pareil, mon pied, il y a une partie bah, du cou de la jambe qui va projeter son ombre dessus. Et très rapidement, on peut avoir un rendu extrêmement contrasté, peut-être comme dans les jeux, vous avez pu voir Hades, je sais pas si vous connaissez. C'est une espèce de roguelike. Donc très rapidement, on va avoir un rendu pour le coup qui est affirmé, hein. Bon, par contre, ça nécessite de comprendre où sont placées vos ombres. Et voilà, du coup, on va avoir très rapidement quelque chose qui va être assez puissant en termes d'impact visuel. Puis on peut, hop, aussi jouer là-dessus. Là, vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, il se trompe de calque. Voilà, là c'est mieux. Alors, je suis pas en train de rendre tout rouge foncé mon personnage, simplement je suis en train de créer son ombre qu'on va remettre dans l'autre sens, mais qu'on va plutôt, hop, mettre en vertical. Donc comme ça, on a vraiment, hop, l'impression que notre ombre est projetée. Je vais créer un effet de perspective pour le déformer. Donc je fais un clic droit sur mon élément. Perspective, je tire. Tac. Je le valide. Je le déforme. Voilà. Je supprime la partie avec le pied. Chut, ici. Mais par contre, j'ai des effets qui sont intéressants, vous voyez, des choses auxquelles je m'attendais pas. Là, le noir, il est assez sympa au niveau du pied. Donc je sais qu'en travaillant avec du noir ici, je peux encore suggérer davantage la profondeur. Ici, hop, on peut jouer là-dessus. Et voilà, et rapidement, on va obtenir des choses qui peuvent être intéressantes. Qui nous permettent de créer du contraste.
J'aurais presque envie de rajouter du noir ici. Tac, on était là-dessus. Voilà, tac. Et tout ça, bien sûr, c'est réalisable au marqueur. S'il y a des choses que j'ai faites là à l'instant sur Photoshop que vous n'avez pas comprises, dites-moi, hein, je reviens dessus. Bien, bon, eh bien, nous avons créé notre titan colossal comme c'était prévu depuis le début. Alors, il manque peut-être un contexte, hein, ça aurait pu être pertinent qui est, je sais pas moi, un décor. Tac. Enlever la source de lumière. Tac. On va enlever le petit point rouge qui était au-dessus. Voilà. Peut-être le hashtag aussi, on n'en a pas besoin. Ou alors on va le mettre, je sais pas. Oh non, j'aime assez le fait qu'il n'y a rien du tout. On va enlever la signature aussi. Et on peut créer rapidement un décor. Encore une fois, on peut jouer sur l'opacité. Oui, une opacité très faible. Simplement. Après on va creuser, vous voyez en fait la structure pour par exemple fabriquer des dalles. Plus on va repasser dessus, plus ça va créer une structure. Et puis on peut rajouter, je sais pas, quelque chose comme ça. Qui va avoir hop, cette opacité, mais qui va projeter quelque chose de bien plus puissant. Ainsi de suite pour créer un décor derrière avec du ciel, des choses comme ça. Bon, c'est suggéré, c'est des choses rapides, mais c'est possible. Et bien voilà, on a notre titan. Merci pour toutes ces astuces. C'est quel outil? Alors, lequel? Exactement, celui pour faire les zones noires comme ça. Alors, pour faire ces zones-là, c'est ce qu'on appelle le lasso polygonal. C'est le lasso qui est en haut à gauche ici. Quand on clique dessus, avec le clic droit, alors je ne sais pas si ça apparaît, il me semble que sur OBS, ça capture uniquement la fenêtre Photoshop. Ouais, vous ne voyez pas. Mais c'est celui qui est en haut à gauche et en fait, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez, enfin il y en a trois exactement, mais on va s'attarder sur deux. Soit vous pouvez faire des formes géométriques, et en fait quand vous allez relier les points, ça va vous faire une sélection, et après vous n'avez plus qu'à la remplir avec par exemple le... Hop, le pot de peinture. Soit vous pouvez faire avec le lasso qui s'appelle juste outil lasso. Et là, dans ce cas-là, bah, il vous suffit de dessiner des choses. Par exemple, je dis n'importe quoi. Je veux faire un profil en ombre chinoise. Bah, je prends mon lasso polygonal. Je pars là-dessus. Ouais, par exemple, pourquoi pas. Une sorte d'Andrew Bennett. On va peut-être agrandir un poil ses cheveux. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à compléter à l'intérieur. Normalement, on a à peu près, ouais, quelque chose de potable.
Encore que, à droite, j'ai débordé. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté une sélection. Ah non, je suis à 8%, c'est pour ça. Hop. Tiens, ça marche pas. Peut-être faire les lunettes un peu plus larges. Voilà. Et puis on peut rajouter, je sais pas, son manteau. Et ainsi de suite. Donc ça s'appelle travailler au lasso polygonal. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on peut travailler avec d'autres valeurs. Je sais pas. Peut-être faire quelque chose comme ça. Bon, là, c'est pas terrible, mais l'idée, c'est que du coup, hop, n'importe quoi, hop, puis là, je vais avoir ses cheveux d'une autre couleur, ainsi de suite. Et voilà. Tac. Je relis vos commentaires. Pour l'opacité sur la tête. Alors, pour l'opacité, en fait, il suffit de passer en mode produit, qui va changer en fait ce que vous projetez comme couleur sur un personnage. Ça va juste assombrir la couleur de base. Et pour changer l'opacité, à droite, là, je sais pas si vous voyez là où est ma souris, en bas à droite, sous l'historique, là, vous changez la hauteur du curseur. Je reviens en arrière. D'ailleurs, je me demande ce que ça donne si j'enlève les deux opacités. C'est pas mal aussi. Bon, c'est un peu cramé en termes de contraste. C'est-à-dire, là, on dirait vraiment un jour très très fort. Et je suis un peu chagriné par le contour noir extérieur du visage. Je vais réaffirmer un peu le contraste et puis je pense qu'on terminera là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Et la prochaine fois, on fera donc un live sur 6 personnages qu'on essaiera de dessiner ensemble. Alors on va pas les faire en une fois, on les fera en 6 fois je pense. Donc 6 personnages, ça va être des fanart challenge. Et je vous laisserai choisir les personnages parce que ça peut être un défi intéressant pour moi puisque je les connais pas forcément. Et puis pour vous, bah du coup c'est l'occasion de dessiner vos personnages préférés et puis de profiter de mes réseaux pour qu'on les repartage. Voilà, tac. Et ben voilà, notre titan. Bon, un titan réalisé en une petite heure, en blablatant. On est pas trop mal. Bien, je vous remercie à toutes et à tous d'être venus sur ce live. Il faudra quelques heures, je pense, pour que YouTube l'exporte, mais à partir de demain, très certainement, il sera possible de le revisualiser. Je vais chercher, du coup, qui est la personne qui a fait le dessin de référence pour pouvoir le créditer en description de vidéo. Là, la référence qui est en haut à gauche, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai pas trouvé le nom de l'auteur puisque c'était une image sur Pinterest, postée par quelqu'un qui n'avait pas l'air d'être le créateur non plus, mais par système d'image inversée, je pense pouvoir retrouver l'auteur, et donc si je retrouve l'auteur, je mettrai les crédits, sinon je suis bien désolé d'avoir utilisé son œuvre sans l'avoir crédité. Vous pensez toujours à créditer les artistes, ça permet de les faire vivre. Tu vas live bientôt sur Superflame Studio, demande Benjamin. C'est en cours de discussion. Je pense, oui, il est probable que certaines illustrations de personnages soient faites en live, pour la simple et bonne raison que bah, moi, ça ne m'ajoute pas de travail supplémentaire, j'ai juste à diffuser ce que je fais, prendre un micro éventuellement pour répondre aux commentaires, voire aux suggestions, puis vous, ça vous permettra d'avoir un petit peu le off du processus, sachant que de toute façon, alors peut-être pas pour toutes les illustrations, mais la plupart des personnages, j'ai essayé dans la mesure du possible d'enregistrer, pour pouvoir vous en faire des speed painting. Ça veut dire qu'après coup, la chaîne Yue, elle va être bombardée de speed painting, et il y en aura peut-être de temps en temps sur la chaîne du studio. Je ne sais pas trop comment on va découper ça. Il faudra qu'on voit, on n'en a pas encore discuté, mais ça va être prévu. Voilà, donc à peu près ce que je peux vous dire pour le moment. Je n'ai pas les dates, mais ça pourra être fait.
Après, encore une fois, ceux qui sont arrivés ce soir l'ont remarqué, j'ai une connexion en carton. Donc je ne peux pas streamer en-delà de 360p, sinon ça devient vite illisible. La priorité est donnée au son. Normalement, la fibre est censée être présente depuis un an, je crois. Mais c'est toujours pas le cas. Donc, et ben pour l'instant, on se contente de ce qu'on a. Et puis l'important, c'est de pouvoir passer un bon moment et que ça reste lisible pour vous. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois merci d'avoir suivi. On se retrouvera sur cette chaîne le samedi 25 juillet. Réfléchissez aux différents personnages que vous voudriez qu'on fasse, sachant que ça peut être des personnages de l'univers de Super Flame ou tout autre personnage, que ce soit d'animé, ça peut être aussi des personnages réels. Peut-être que ça peut être intéressant d'essayer de les recréer. On peut passer par du Batman aussi. Bref, merci à tous, bonne soirée, ciao!